Il est venu se ravitailler, c'est tout. Et il y a la carte. Certainement, il y a un deal qui est là. Je crois que Sassou Nguesso n'a jamais été patriote. Les Français ne travaillent pas avec les patriotes et les nationalistes. Si on C'est-à-dire. est nationaliste, oui, je vais vous expliquer. Macron, il n'arrive plus à avoir l'accès au gaz russe et le pétrole russe. Macron, son pays est en crise. Maintenant, Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Il a ses esclaves. Maintenant, le monde francophone qui est là en Afrique, Macron a organisé un voyage pour venir prendre ses ressources pour relever l'économie française qui est en baisse actuellement. Je crois que nous tous, nous sommes témoins de ce qui se passe au niveau international. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu t'expliquer avec. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci, très bel échange. Alors, je pense qu'on va peut-être. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président, nous allons prendre place. Mesdames et Messieurs, la